Ils viennent d'être annoncés les résultats définitifs des présidentielles proclamés par la Cour constitutionnelle. Une annonce pour trancher après le rejet des résultats provisoires par les deux candidats non élus, l'islamiste modéré Abdelali Hassani et le candidat socialiste Youssef Aouchich. Le taux de participation générale est de 46,10%. Abdelmajid Tebboune a recueilli 7 976 291 voix, ce qui représente 84,3% des voix. Le président sortant Abdelmajid Tebboune avait été initialement proclamé vainqueur avec un score record de 95% des voix. L'enjeu majeur du scrutin était le taux de participation, annoncé par l'autorité électorale à 48%. L'ANI avait été très critiqué pour avoir utilisé un mode de calcul inhabituel en annonçant un taux moyen de participation. Les adversaires du président réélu ont réagi à l'annonce des résultats définitifs. Les dépassements enregistrés lors des élections présidentielles peuvent être qualifiés selon la loi comme crime électoral. La haute autorité et d'autres partis inconnus sont responsables de ce scénario qui est un crime électoral complet. Le FFS prend acte des résultats annoncés par la Cour constitutionnelle. Nous allons tenir une réunion au sein du parti pour donner sa lecture politique et technique des résultats annoncés. Réélu pour un deuxième mandat après avoir mené une campagne axée sur les sujets économiques, le président algérien Abdelmajid Tebboune est critiqué par l'opposition pour avoir muselé les voix dissidentes, notamment des figures du mouvement de contestation du Irak.